Trois. Et vous allez dire, pourquoi il y a une différence entre les... Mais parce que c'est l'un, c'est les hommes, l'autre, c'est les femmes. Tout simplement parce que si vous voulez, la fécondation ne peut pas se faire s'il n'y a pas de différence de potentiel. Vous avez bien compris ça. Hein. Il y a une petite différence d'un dixième de chaque fois. Hein. Condition de la santé, et vous allez vous trouver, se trouve le cœur, la santé. La santé se trouve à 7,2. 7,2, 7,3. Hein. Ensuite, voici des exemples de pH. Et les exemples de pH, vous allez les retrouver bien sûr sur l'échelle, avec les produits avec pH légèrement acide, et les produits qui sont riches en protons énergétiques. Pensez bien que proton, c'est un terme de physique, bien sûr, mais c'est surtout un terme qui peut vous éclairer, vous, en tant qu'énergie. C'est riche en énergie magnétique. Quelqu'un qui a de l'énergie, il diffuse son énergie. Il est rarement fatigué. Sauf qu'il fait un déménagement avec des amis, bon, il va être fatigué pendant un jour ou deux, mais puis le lendemain, il va repartir, si vous voulez, dans la direction. Donc, les fruits crus, c'est fondamental, vous allez comprendre pourquoi, parce que les légumes crus, donc les crudités, il va falloir en prendre tous les jours, excusez-moi, si vous voulez récupérer de l'énergie. Ensuite, les aromates, les plantes, bien sûr, tout ça, tout ce qui est de la nature, les lactofermentés, les graines germées, pointues expansion, vous allez récupérer. Les pauvres en protons. Donc ce sont les produits alcalins, c'est l'autre côté. Et là, vous allez retrouver les fruits cuits, donc les confitures par exemple, les légumes cuits, donc les ratatouilles par exemple. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas en prendre de temps en temps. Hein. La cuisine industrielle, alors c'est pire que tout. Pire que tout, nous on l'a mesuré. Je ne dirai pas de marque parce que... bon, mais vous avez compris, parce que c'est monté à la température, en plus il y a les conservateurs, mais bon, c'est dingue. Les conserves, toutes les conserves, elles sont mortes. Elles sont mortes. Alors, moi, je me suis occupé de beaucoup de à une époque, en tant que psychologue, de problèmes de dépression. Mais je voyais même que les gens étaient dépressifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un choc psychologique. Ils n'avaient pas su gérer. Très souvent, c'est le choc psychologique qui est le déclencheur. Mais en réalité, le terrain était déjà fragilisé. Ils étaient déjà avec un manque d'énergie. Vous alimentez comment? Ben, le matin, à midi, tout cuit. Tout cuit, tout mort. Autrement dit, toute la journée, ils n'avaient aucune source d'énergie extérieure. Comment voulez-vous qu'ils vivent? Comment voulez-vous qu'ils débordent d'énergie? C'est possible. Donc, première chose, en tant que psychologue, avant de traiter le côté psychologique, je disais, physiologiquement, je le disais avec toute ma sympathie et tout mon respect, évidemment, je disais, il faut que vous vous alimentiez, il faut que vous apportiez à votre organisme des choses qui soient potentiellement énergétiques. Sinon, comment voulez-vous avoir de l'énergie? C'est pas possible. Donc, il y avait tout un protocole de naturopathie qui était essentiel au départ. Et je leur disais, bon, si vous voulez écouter mes conseils, je vous demande, bien sûr, de rentrer dans cette dynamique. Car vous ne pourrez pas régler vos problèmes psychologiques, vous allez traîner vos problèmes psychologiques pendant des années et des années, parce que votre potentiel énergétique est proche de zéro. Alors, sur le taux vibratoire, ils se retrouvaient avec des potentiels tellement faibles, c'est pas possible. On peut faire psychanalyse pendant 20 ans, on n'arrivera pas à avancer. Pourquoi? Mais parce que physiologiquement, il n'y a pas d'énergie. Et sans énergie de vie, sans énergie de santé, comment voulez-vous rééquilibrer le système psychologique? C'est pas possible. Donc, tout ceci pour dire que d'un côté, c'est l'énergie et la santé, de l'autre côté, c'est la fatigue et la maladie. Et vous remarquez bien que les gens qui sont malades, ils commencent par dire, oh, je suis fatigué. Et les vieillards, à partir de 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans, et à 80 ans, Jeanne Rousseau, première chose qu'elle me dit, moi je me sens fatigué parce que sa pile énergétique est en train de baisser. Et là, c'est 97 ans, hein, évidemment. Hein. Moi j'avais 75, j'ai plus d'énergie à 75 ans qu'à 30 ans. Pourquoi? À 30 ans, j'étais malade. Je suis rentré dans la naturopathie parce que j'avais plein de problèmes et j'ai appris, je suis devenu élève, puis ensuite, non, client d'abord, patient, puis ensuite élève, et puis ensuite j'ai compris. Donc par conséquent, tout le monde peut apprendre, c'est ça qui est important. Et une fois avec la connaissance, bien sûr, mais après, vous aurez autant d'énergie que moi, évidemment. Et je ne suis pas un modèle, je suis simplement un élève, moi aussi. J'apprends tous les jours, tous les jours. Donc la santé est équilibrée, le deuxième facteur RH2. Et là aussi, là, on le met vertical parce que tout simplement, vous allez comprendre pourquoi. Ça va de 0 à 42, la santé est à 21, juste au milieu. Et vous verrez que dans les terrains de la santé, de la bioélectronique, tout a été mesuré des centaines de fois. Moi, j'en ai fait plus de 600 mesures scientifiques avec l'appareil dont j'ai parlé. Je ne parle pas des petits appareils comme ça. On retrouve, si vous voulez, des idées. Autrement dit, on perd en potentiel.
à cause de l'alimentation qui n'est pas satisfaisante, mais la suroxydation ici, donc je vais donc la santé est à 21, la santé est à 21. Là ici, ce sont les maladies, vous êtes déjà oxydé, vous avez un manque d'électrons. Ici, c'est la suroxydation, c'est la mort. Et là, avec la mort, le sida est à 35, 36. Sida, plus de défense. Sida, défense immunitaire, plus que rien. Alors, les sidaïques, les gens qui sont malheureusement victimes du sida, eh bien, ils ont un potentiel énergétique proche de zéro. Quoi. Alors, ils ne peuvent pas se défendre, ils attrapent n'importe quoi, évidemment. Hein. Enfin, bon. Réduction et hyperréduction. Donc, le sang, lui, il est juste au milieu. Voilà, là, ici, votre potentiel énergétique, il est au maximum. Et puis, l'équilibre, donc, de 21 au 23, vous avez, on retrouve 21 pour les hommes, 23 pour les femmes, mais c'est tout, elles sont parfaites santé aussi, hein. Mais ça veut dire qu'elles vont être un petit peu plus fragiles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont fragiles comme ça, hein. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'elles mourront plus tôt, non. Ça veut dire qu'elles sont plus fragiles, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'elles soient encore plus vigilantes sur le plan de la santé. D'ailleurs, très souvent, elles sont très vigilantes sur la santé. Et elles ont raison, puisqu'elles sont potentiellement, je dirais, porteuses de vie, et évidemment, c'est très important. Évidemment, donc, de 0 à 20, entre l'oxydation et la réduction, l'oxydation, excusez-moi, j'ai avancé trop vite, je reviens tout en arrière. Ah ben non, excusez-moi, du coup je recommence à tout à zéro, alors. Je fais mes essais moi aussi, j'ai appris, c'est mon fils qui m'a appris ça. Il m'a dit, puisque tu vas faire une conférence, je vais t'acheter un pointeur. D'accord. Alors je me suis un peu entraîné, mais j'ai encore des progrès à faire. J'ai encore des progrès à faire. Bon, excusez-moi, je vais accélérer un peu. Et alors, ça me fait équilibrer au pH, ça fait une révision. pH, bon, là vous êtes au courant, les fruits, tous les végétaux sont... on va les retrouver les uns à la suite des autres. C'est un vrai gag. Et puis là, bon, le potentiel d'oxydation, ça y est, on arrive à 21, la réduction réserve la santé, et ça, c'est fondamental, et vous verrez que ça sera très facile aussi de rééquilibrer, pour aider votre organisme, parce qu'il régule naturellement, mais si on l'aide, il va réguler, il va déborder d'énergie. Il va vous être reconnaissant, parce qu'il est fait, votre organisme, pour entretenir la vie en vous. Cette vie vous a été prêtée à la conception, pour que vous en faisiez bon usage, pour que nous en faisions bon usage, pour le transmettre, pour diffuser naturellement autour de nous cette énergie d'intelligence que possède l'être humain, et de coopération, pour continuer à ce que les gens soient de plus en plus heureux. Autrement dit, excusez-moi l'expression, c'est créer sur Terre le paradis. Le paradis doit être sur Terre, où tout le monde s'entend, avec une notion de solidarité, avec une notion de tendresse, pensée affective bien sûr, mais aussi les notions de santé. Nous devons entretenir la santé. Et pas ça, quand on a compris. Et la santé de cœur, bien sûr, surtout au 21. Et puis le troisième échelon, exemples, pareil, vous allez trouver des exemples, alors vous avez compris déjà, hein, où se trouveront, vous avez l'échelle de 0 à 42, les fruits et légumes évidemment c'est les gros, porteurs d'électrons, donc ils sont porteurs de protons et porteurs d'électrons. Vous avez compris que c'est une loi. Une loi, on va s'alimenter, on va devenir de plus en plus végétarien, 80%. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouve la vie. La vie n'est pas rien, surtout dans ces fruits évidemment. Et kiwi, etc. Bon, ce matin, moi, j'ai pris deux kiwis, une pomme. J'en ai assez jusqu'à midi, jusqu'à 1h, sans problème. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que de l'énergie. Aliment cuit. Industriel, alors c'est pire. Parce que quand vous le cuisez, vous, à l'étouffer, ça, vous respectez quand même. Si vous le cuisez al dente, vous respectez quand même des vitamines. Vous respectez. Vous cuisez comme à fond, le pire. Moi, on a mesuré tout ça, hein. J'ai mesuré moi-même. Les carottes avant la cuisson, etc. Les carottes bio, etc. Elles avaient une coordonnée extraordinaire. Et puis, après la cuisson, diverses cuissons. Donc, il y avait plusieurs. J'avais acheté plusieurs kilos, naturellement, et puis un petit peu, pour voir quelles étaient les cuissons les plus respectueuses. Cuisson à la vapeur, respectueuse. Surtout quand c'est une lampe. C'est doux. Le pire, c'était, bien sûr, la cocotte minute, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des fibres. Cocotte minute, c'est la mort.
Mais c'est pas nous.